Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je préfère toujours faire une vidéo pour donner plus d'explications pour le fameux challenge Miamou. On s'amuse toujours beaucoup. C'est vraiment un challenge pour améliorer votre santé. Comment ça fonctionne? Ça va durer 5 jours, c'est gratuit. Chaque jour, vous allez recevoir une recette que vous pourrez cuisiner soit le midi, soit le soir. Ça, vous recevrez évidemment les recettes, la liste de courses dès votre inscription. Quelques jours avant, évidemment, je rappellerai d'aller faire les courses. Et pour réussir ce challenge, ben, c'est assez simple. Il faut faire vos courses, cuisiner chaque jour la recette du jour, faire la photo de votre assiette avec la bonne recette. Vous pouvez partager aussi, ça fait partie aussi du fonctionnement du challenge, la partager sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe et de déguster cette recette avec vos 5 sens. Ça, c'est le fonctionnement du challenge. Pourquoi ce challenge, les objectifs? Pour ajouter du fun, évidemment, dans votre cuisine. On va cuisiner aussi ensemble. Vous allez découvrir des nouvelles recettes chaque jour, pendant 5 jours. Ça va vous permettre de manger peut-être plus sainement, de montrer aussi que manger sainement peut être simple et délicieux. Ça va diminuer aussi peut-être vos frustrations grâce à des plats vraiment goûteux. Ça va vous simplifier aussi la vie parce que vous aurez le menu, la liste de courses qui seront prêts pour vous. Il n'y aura plus cette question, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Vous allez peut-être aussi perdre quelques kilos en mangeant équilibré. Et on va aussi évidemment manger de saison. On va cuisiner avec des produits de saison. Essayez de choisir aussi des produits qui sont locaux, qui sont autour de chez vous. On a cuisiné plein de recettes différentes aux autres challenges comme le toast au saumon fumé, les aubergines à la ricotta, certains sandwichs, certaines pâtes, des salades, c'était super bon. Et les recettes, oui, peuvent être adaptées pour les régimes sans gluten, sans lactose et les régimes vegan. Il y aura des cadeaux à remporter, un peu plus d'explications par rapport aux cadeaux. Des cadeaux, qu'est-ce qu'il y aura comme cadeau? Il y aura un cadeau d'une valeur de 75 €. C'est une consultation offerte avec moi pour déjà appuyer sur les leviers savoir sur quel levier appuyer pour avancer et transformer votre relation à l'alimentation. Et il y aura aussi des réductions sur les livres de recettes pour avoir plus de chances d'être tiré au sort, parce qu'il y aura un tirage au sort pour ces fameux cadeaux. Vous devez avoir des tickets. Donc plus vous aurez de tickets, un ticket c'est un morceau de papier avec votre nom, prénom noté dessus, ça va être mis dans une urne, donc plus vous aurez de tickets dans cette urne, plus vous aurez de chances de remporter ces cadeaux. Comment augmenter les chances de gagner et d'augmenter vos nombres de tickets? C'est d'abord de participer, donc de vous inscrire. Là, vous avez d'office un ticket. Quand vous allez publier vos photos aussi tous les jours, évidemment, sur la page, vous aurez à chaque fois un ticket. Quand vous partagerez aussi les publications qui sont liées au challenge et qui sont sur la page, vous aurez aussi un ticket. Et quand vous ferez une story aussi avec moi du challenge et vous allez me taguer, donc Coralie Thomas et la fine bouffe, vous aurez aussi des tickets. Donc plus vous allez avoir de tickets, plus vous allez avoir de chances d'être tiré au sort pour remporter l'un ou l'autre des cadeaux. Merci aussi à toutes celles qui ont déjà participé et qui ont fait des témoignages. Donc merci pour ce challenge qui m'a donné beaucoup de plaisir dans le partage et le dressage d'assiettes. La charge mentale en moins de qu'est-ce qu'on va manger. Les grignotages n'avaient pas de place car pas de faim entre les repas. Ça c'est Ariane qui nous a dit ça. Contente d'avoir fait le challenge jusqu'au bout, d'avoir testé et apprécié des recettes et des produits que je n'ai pas l'habitude de cuisiner. C'était France. Fabienne nous dit... Je me sens très bien cette semaine, sans prise de tête, car tout était planifié et de bonnes recettes goûtées. Tatiana, j'ai beaucoup aimé faire ce challenge, c'était très bon. Mon mari a aussi aimé et on a chacun perdu 1 kg. J'ai aussi des témoignages de personnes qui ont des enfants, donc ça vous les aurez dans les posts. N'hésitez pas, si ce n'est pas clair dans tout ce que je viens de vous dire, vous me contactez tout simplement et à très bientôt pour manger et cuisiner ensemble.